بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة أخوات، الحمد لله، on se retrouve en ce jour pour un nouveau cours. Et je m'excuse pour mon absence d'hier après-midi. J'avais des choses à faire et je devais être de retour pour l'heure du cours. Et qadarallah, je n'étais pas du tout là. Je suis rentré à 6h, 6h30. Donc 16h étaient bien dépassées. J'ai dit, rien, il n'y a pas de cours. Et puis tant pis, ce n'est pas grave. Non, khair inshallah. Je m'excuse pour ceux qui étaient là et qui attendaient. Alhamdulillah, aujourd'hui on peut reprendre avec l'explication de 99 hadiths concis. Voilà. Avec le hadith 42, si je ne me trompe pas, en page 189. En page 189. On avait parlé de choses liées au commerce dans les cours précédents, dans ce livre-là. De choses liées au commerce. Également aussi au contrat que passent les musulmans les uns avec les autres, la conciliation, n'est-ce pas? Puis le fait de garantir les biens d'autrui, énorme. On avait donc terminé cela. On reprend alors en page 189, Inch'Allah. Hadith 42, le droit d'expropriation. C'est ce qu'on appelle Ash-Shuf'a. Ash-Shuf'a, le droit d'expropriation, n'am. Et également, avant cela, je tiens aussi à m'excuser si vous entendez, comme on dit, des boum, boum, boum. Je n'habite pas dans une résidence privée, dans le sens résidence privée, ma propre maison, mais dans un appartement. Et il y a des voisins, et enfin, je me rappelle de chercher l'habit qui faisait court, et un jour, pareil, on entendait une musique ou bien le feu d'artifice. Et non, même là-bas, oui, en Algérie. Donc, oui, non, que dire ici, dans ces pays-là? Parfois il y a des désagréments et c'est comme ça. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait des cours, je crois, aux alentours des périodes de Noël et dit du jour de l'an. Là, c'est pareil, tu entends des gens crier d'un coup. Bon, ce sont les aléas et c'est comme ça. Et on a ici des voisins qui ne respectent pas beaucoup les autres et qui se permettent de crier, de faire des genres de fêtes. Voilà, c'est leur fête à eux. Allah al-Musta'an, qu'Allah les guide, et puis de mettre la musique et de déranger les autres. Donc c'est assez rare en journée, en général, c'est pour ça qu'en ce moment vous ne les entendiez pas, mais là c'est le dimanche, donc forcément ils sont là, et bon, al-Muhim. Donc c'est pour vous dire, et pas qu'il y ait de mauvais soupçons ou quoi que ce soit, si vous entendez des choses comme ça, si vous l'entendez toutefois, parce que c'est pas dit que moi j'arrive à percevoir le son, mais vous aussi, al-Muhim. Si vous entendez, vous savez d'où ça vient, n'am. Le droit d'expropriation, al-Shuf'a. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt a décrété valide le droit d'expropriation
concernant les biens fonciers non partagés. Si en revanche le bien foncier en question a été partagé entre les associés et que les chemins les séparent ont été clairement délimités, alors l'expropriation ne peut pas avoir lieu. On reste donc dans les termes techniques du commerce liés à l'argent, au bien, etc. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, ce sont des hadiths qui sont plus méconnus déjà de certains musulmans. Tout le monde n'est pas concerné nécessairement par cela. Mais on va l'expliquer. Ce hadith, il recèle tous les principes régissant le droit d'expropriation, mais aussi les biens concernés et ceux exclus de ce droit. Donc on va expliquer ça, Inch'Allah, et le shir nous explique cela. Le droit d'expropriation, tout d'abord, il concerne les biens mis en commun. C'est le droit d'expropriation, il concerne les biens qui ont été mis en commun. Donc des biens qui appartiennent à deux associés. Ces derniers se divisent en deux catégories. Il y a les biens fonciers et les biens mobiliers. Les biens fonciers et les biens mobiliers. Foncier, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Mobilier, vous savez ce que c'est. Ce hadith, il confirme le droit d'expropriation ayant un trait aux biens fonciers et indique que les biens mobiliers ne sont pas concernés. Donc ça concerne que les biens fonciers. Par conséquent, s'il y a du bétail ou des meubles ou des contrats, et plus généralement tout ce qui est mobile, si ça a été mis en commun, et puis que l'un des associés vend sa part à une personne externe à la société, les autres associés ne peuvent faire valoir leur droit d'expropriation. Est-ce que ce sont des choses d'immobilier? Ça reste du domaine du mobile. C'est pas du foncier, c'est pas de l'argent. Voilà, déjà la première explication. Puis il est dit, concernant les biens fonciers, si on peut clairement distinguer la part de chaque associé, si vraiment on peut dire, on est 5 sur l'entreprise, admettons, un tel attend, si on peut vraiment distinguer la part de chaque associé et que les frontières sont clairement établies et que des chemins ont été tracés pour délimiter les lots de chaque associé et que chacun d'entre eux a choisi sa part, alors le droit d'expropriation ne peut être appliqué dans le cas de la vente d'un lot à un tiers. En effet, les termes mêmes du hadith indiquent que les associés dans cette situation sont-elles des voisins. Or, le droit d'expropriation ne peut être appliqué entre voisins. Si en revanche, on ne peut pas distinguer la part de chaque associé, si rien n'a été tracé pour délimiter le lot de chacun, et si l'un d'entre eux vend sa part, alors les autres associés sont en droit de faire valoir leur droit d'expropriation. Ils rembourseront alors à l'acheteur la somme qu'il a versée pour acquérir la part en question. Et chaque associé devant participer au remboursement, proportionnellement à sa part, dans la société, devra en faire de même. Le sens apparent du hadith montre qu'il n'y a pas de différence entre les biens fonciers partageables, mais non encore partagés. Ils sont partageables, mais ils n'ont pas encore été partagés. Et ceux qui sont non partageables. C'est d'ailleurs là l'opinion la plus juste à ce sujet. En effet, l'objectif visé par le droit d'expropriation, donc à savoir éviter tout désagrément aux associés, est le même dans les deux cas. Et la portée du hadith est générale. Quant aux arguments avancés pour affirmer qu'une distinction doit être faite entre les deux types de biens fonciers, ils sont basés sur des hadiths faibles. Les savants ont ensuite divergé concernant le droit d'expropriation qu'aurait une personne sur son voisin, dans le cas où il partage des commodités, par exemple comme une route commune ou bien un puits, ou même une parcelle de terre. Parfois ça arrive. Certains savants affirment que le droit d'expropriation peut être revendiqué dans cette situation, car le fait d'avoir certains biens en commun est analogue au fait d'être associé dans tout bien foncier. Et le désagrément causé par la revente d'une part à un tiers est le même. Parce que c'est ça en fait. C'est l'expropriation, c'est-à-dire quelqu'un, t'as quelque chose en commun avec quelqu'un, mais toi t'as envie de vendre. Est-ce qu'il a un droit sur toi? Est-ce qu'il y a un lien, il peut t'empêcher de faire cette chose-là? Est-ce qu'il peut récupérer sa part? C'est ça quand on a des choses dites en commun. Donc le désagrément causé par une telle revente, d'une part à un tiers, est le même. C'est d'ailleurs cet avis qui est appuyé par les textes. Et d'autres savants ne reconnaissent pas le droit d'expropriation pour le voisin. C'est l'opinion des savants de l'école d'Imam Ahmed. Enfin, certains savants reconnaissent le droit d'expropriation pour le voisin dans toutes les situations, et plus particulièrement celle-ci, où les voisins partagent des commodités, et c'est l'avis d'Abu Hanifa.
Wallahu alam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décrété valide le droit d'expropriation pour les associés. S'ils le désirent donc, ils peuvent faire valoir ce droit ou y renoncer. C'est un droit comme un autre qui ne peut pas être rendu caduque que par une déclaration claire des ayants droit ou par ce qui indique sans ambiguïté qu'ils y renoncent. Quant à la condition émise pour certains savants, à savoir que ce droit ne peut être revendiqué que si l'associé s'empresse de le faire valoir. Ce droit d'expropriation ne peut être revendiqué que si l'associé s'empresse de le faire valoir et que dans le cas contraire, il ne pourra plus jamais le revendiquer. C'est un avis qui ne repose cependant sur aucun argument. Quant aux deux hadiths qu'ils avancent pour appuyer leur dire, à savoir le droit d'expropriation est tel une chamelle que l'on tient par la bride, si la bride est lâchée, la chamelle s'enfuit et ne revient plus, ou bien le droit d'expropriation ne peut être revendiqué que si l'associé s'empresse de le faire valoir, aucun de ces hadiths n'est authentique. Par conséquent, et pour finir, l'opinion la plus juste est que le droit d'expropriation est un droit comme un autre, semblable au droit de réflexion ou au droit de retour, qui sont des droits inhérents à toute transaction commerciale auquel elle est entre associés, mais auquel on peut renoncer par une déclaration ou par un geste explicite. Comme tous les droits, comme on avait expliqué les droits qu'à une femme dans un contrat de mariage, elle peut choisir de refuser tel et tel et tel le droit qu'elle a. Les musulmans sont tenus par leurs engagements, on dit Wallahu a'lam, et voilà, inshallah, ce qu'on peut dire sur cette chose-là, qui effectivement est une chose avec des termes plus techniques, plus complexes entre guillemets, et qui ne touche pas tout le monde. Mais la religion englobe toute affaire. La religion, elle englobe toute affaire. Dans ton commerce, tu dois être musulman, dans tout, en fait. C'est pas que, on va dire, oui, c'est le ménage, ou la raqida, c'est les œuvres, c'est bien sûr les adorations. Mais quand tu fais les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant la législation, même dans tes affaires mondaines, tu es dans une forme d'adoration. Parce que tu es dans le suivi de ce qu'Allah a imposé. Naam. Donc, le musulman, il est musulman à chaque instant. Même quand, à proprement dit, il ne fait pas un acte cultuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas en salat, il n'est pas... Naam. Même il n'est pas parfois en état de jeûne, il n'est pas en train de ci ou de ça. Mais il est dans ses affaires mondaines, régi par une législation révélée par un Seigneur Tout-Puissant, Tabaraka wa Ta'ala. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ça concerne ces choses-là, notamment ça, c'est rapporté par Al-Bukhari dans le livre de l'expropriation. Ça concerne aussi des gens. Alors, il n'est pas tenu. Ça, par exemple, ce n'est pas dans les leçons importantes à l'ensemble de la communauté. Vous ne l'avez jamais entendu, ça. Ça, ce n'est pas tout musulman qui est tenu d'apprendre ça. Voilà. C'est pas tout musulman qui est tenu d'apprendre ces choses-là. Des livres sur le commerce, etc. On va donner ça, inshallah, ou bien même ce sont les étudiants qui vont apprendre cela, puis bien sûr les LMA en tête, et puis ils vont renseigner ceux qui ouvrent un commerce. Ou bien si celui qui ouvre un commerce est scrupuleux, il va lui-même les apprendre. Mais ça concerne un type de personne parmi les musulmans, c'est pas toute personne. Les leçons importantes, on l'a vu, hein. On va se baser sur At-Tawhid, on va apprendre les piliers, on va apprendre des règles vraiment fondamentales. Est-ce que tout musulman doit savoir? Mais là, c'est pas ça. Ici, ce n'est pas le cas sur cette affaire-là, quoi, tout simplement. Ou après, alhamdoulilah, on est en train d'étudier, on fait talibul ilm, donc on apprend diverses choses. On apprend diverses choses. Et sachez, comme les ulama l'ont dit eux-mêmes, ce n'est pas toute personne qui deviendra savante. Après, savant, ça a deux termes. Ça peut être le cas de la personne qui a accumulé un certain nombre de science, l'étudiant ou bien le savant à proprement dit. Voilà. C'est pas toute personne en vérité qui va avoir beaucoup d'ilm dans la communauté. Certains doivent être forgerons, certains doivent être boulangers, certains doivent être mécaniciens, mais tout juste, ils savent ce qu'il faut pour leur religion, pour leur pratique. Voilà. Et puis certains s'intéressent un petit peu plus que d'autres, mais c'est pas toute personne dans la Oumma qui va apprendre tel et tel et tel et tel et tel et tel et tel sujet. Et c'est pas, y a pas que des ulama dans la Oumma. C'est pas possible. C'est pas une communauté que de savants. Il y a aussi des gens qui sont musulmans, alhamdoulilah, et ils ont une part de piété et tout, il n'y a pas de souci, mais ils ont moins de connaissances. Ils ne connaissent pas tout sur tous les sujets. Non. Et même les ulama ne connaissent pas tout sur tous les sujets, il y a même des ulama qui se spécialisent dans ci ou dans ça. Donc voilà. Il y a des gens qui ont, les gens du commun qui ont un métier et qui, alhamdoulilah, ils savent jeûner, ils savent prier, ils savent faire comme ci, ils savent faire comme ça. Voilà. Et plus on s'ancre après dans la science, plus on se rapproche du rang des savants, bien sûr, toute proportion gardée, dans le sens où on étudie de plus en plus de sujets. Walhamdulillah, et c'est ça, talibul ilm. Hadith 43, l'honnêteté entre les associés. L'honnêteté entre les associés. Non.
Abi Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala a dit, quand deux personnes s'associent, je suis le troisième associé aussi longtemps qu'aucun d'entre eux n'escroque l'autre. Dès lors qu'une escroquerie a lieu, je quitte cette association. Rapporté par Abi Daoud. Non. Et cependant, ce hadith a été qualifié de faible par Shirin al-Bani. Non. Al-Muhim, le Shir, il le commande quand même. Je vais quand même, Inch'Allah, lire son explication. Même si, yani, ce hadith, comme on l'a vu, est faible. Mais, le sens n'en est pas injuste pour autant. Ce hadith, donc, de par sa portée générale, prouve le caractère licite de tous les types de sociétés. De tous les types de sociétés qu'on avait notamment citées. Anan, Abdan, Wujur, Moudha Rabah et Moufa Wavah. Donc tout type de partenariat, de contrat, d'arrangement sur lesquels les deux associés se mettent d'accord. Ça, on l'a vu dans les cours précédents. Tout type de contrat, d'accord, de... Voilà, on a expliqué pas mal de choses comme ça. Les musulmans peuvent faire, entre guillemets, ce qu'ils veulent tant que c'est pas illicite. Tant qu'ils rentrent pas du haram dans leur association, dans leur contrat, dans leur accord. Non. Et quiconque soutient que l'une de ces catégories est illicite doit avancer la preuve de cette interdiction. En l'absence de preuve, la règle de base veut que tous les types de sociétés soient permis, non seulement en raison de la généralité du hadith, mais aussi parce que concernant les transactions commerciales, la licité est la norme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle fondamentale, ça rentre dans un asr, ça rentre dans les usul. C'est que dans Dunya, tout est licite jusqu'à preuve du contraire, et dans Din, tout est haram jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, pourquoi on dit dans le Din c'est haram, mais dans le Dunya c'est halal ? Les gens ils peuvent peut-être ne pas comprendre cette notion. Dans le Din, pourquoi tout est haram ? Jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu ramènes un dalil, jusqu'à ce que tu aies une preuve de ce que tu fais dans le Din, c'est haram, c'est interdit. C'est pas toi qui fais la religion. C'est pas toi qui dis, tiens, je vais me placer comme ça, je vais dire comme ci, je vais faire ça comme ça. On va te demander quel est ton dalil. Quel est ton dalil pour agir de la sorte ? Tu dois avoir un dalil pour agir dans le Din. C'est pas t'agis dans le Din et après tu dis, ah non, c'est toi qui me ramènes le dalil. Il y a des gens, ils n'ont pas compris ça. Enfin, les gens, ils font ça à l'inverse, parmi les gens des passions et de l'innovation. Ils font n'importe quoi dans le Din, et quand tu les réprimandes en disant, c'est quoi ton dalil ? Ça, c'est bilat ce que tu fais, j'ai jamais entendu ça dans la sunna. Non, au contraire, ça contredit la sunna. Elle te dit, ah, ramène un dalil comme quoi c'est haram ce que je fais. Lui, il n'a pas compris déjà le fondement dans la religion. Il n'a pas compris. C'est à lui de ramener là la preuve. Tu vois ? Dans la religion, c'est pas tu fais ce que tu veux et tu dis ensuite aux gens, prouvez-moi que j'ai tort. C'est je fais ce qui est légiféré. C'est pas ta religion. Que dans Dunya, c'est une affaire bien trop large. Hein ? Et tout n'a pas été explicité. Il n'y a pas un hadith qui dit on peut manger des citrons, mais aussi des citrons verts, mais aussi des citrons qui ressemblent un petit peu à l'orange, et le citron de tel pays. Et seul, vous imaginez, un hadith pour chaque agrume, pour chaque chose. J'ai le droit de poser ma main sur le bureau. J'ai le droit de poser le dos de la main sur le bureau. J'ai le droit de me gratter la tête. C'est impossible. Dans Dunya, il y a beaucoup trop de choses. Hein, j'ai le droit de... Vous avez compris, j'ai le droit de marcher à gauche de la route, j'ai le droit de marcher à droite, j'ai le droit de faire demi-tour. C'est impossible de tout répertorier, vous comprenez ? Donc dans le Dunya, tout est licite. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'il y ait un dalil qui ait dit, cette chose-là est haram, muharram. Parce que, yani, les choses de Dunya sont trop nombreuses, alors que la législation de Din est plus réservée, c'est plus concis. Donc, dans le Din, les choses qui sont légiférées ont été consignées, et dans le Dunya, on ne peut pas tout consigner, les choses bonnes, les choses moubah. Donc on a consigné plutôt les choses haram, les choses interdites ou les choses détestables. Donc tant qu'il n'y a pas un dalil sur le caractère détestable, voire même haram d'une chose, c'est licite. Hein? Toute personne qui viendrait avancer quelque chose, comme aujourd'hui, on voit plein de gens, ils rendent haram des choses. Ah ça c'est haram, ah ça c'est haram, va apporter telle marque, c'est haram, ramène le dalil. Et pas le dalil de ta tête. Ramène un vrai dalil, une argumentation ou un ijtihad de savant. Ramène quelque chose. Ramène quelque chose de fort. Ah, ça c'est haram. Ah, ça c'est haram. Très bien. En quoi c'est haram ? Pourquoi ce serait haram ? Explique-moi. Dans Dunya, la règle, c'est que tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Et les transactions commerciales font bel et bien partie de Dunya. Donc elles sont licites jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, licite tant que les deux associés ne s'escroquent pas, bien évidemment. Tant qu'il y a de l'honnêteté entre les associés, et c'est le titre du hadith. Non. Ce hadith souligne également le mérite du partenariat. Hein?
le mérite du partenariat et la bénédiction l'entourant, à condition qu'il soit bâti sur la véracité et l'honnêteté. En effet, si Allah est avec une personne, il bénit alors ses biens, lui facilite tous les chemins menant au bénéfice, lui accorde sa subsistance d'une manière inattendue, l'aide et l'oriente. Et ça, c'est vrai. Non. On parlera ici d'association dans les affaires commerciales, mais en vérité, tout partenariat, et même dans le da'wah par exemple, vous voyez, deux frères qui s'uniraient dans le da'wah, avec une niya pure, ils s'aiment en Allah, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, incha'Allah, si Allah met la baraka dans cette affaire. Quand des gens deviennent partenaires, s'aiment en Allah surtout, hein, on connaît le hadith qui dit que il y aura des gens qui seront sous l'ombre d'Allah Azzawajal, parmi les sept types de personnes, et parmi ceux-là, l'ombre donc sous l'ombre d'Allah Azzawajal, le jour où il n'y aura d'ombre, hein, que la sienne, subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Donc qui n'aimerait pas être dans ce cas-là? C'est des gens qui se sont rencontrés, aimés en Allah et quittés en Allah, mais en fait il n'y a que la mort qui les a séparés. Non, c'est pas autrement. Les gens ils comprennent pas l'explication du hadith et ils se séparent pour tout et pour rien. Ils pensent qu'ils rentrent dans le hadith. C'est-à-dire, ils se sont aimés en Allah, mais le lundi et le mercredi ou le samedi, il n'y a plus personne. Ça, c'est pas un amour en Allah. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les choses mondaines qui t'a séparé de la personne. Ni des ondits, ni des disputes, ni de l'argent, ni de la jalousie, du hasad. Non, rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, dire aimer quelqu'un en Allah, c'est fort. C'est un mot qui a été bradé. L'amour, c'est un mot qui a été bradé. Même dans le dunya, d'ailleurs. Les gens disent « je t'aime », disent ceci, disent cela. Non, mais c'est quelque chose qui a été, selon moi, bradé. C'est un mot qui est bradé. Le sens, en tout cas, est bradé. On ne sait même plus ce que ça veut dire, vraiment, aimer quelqu'un. Non. L'amour en Allah, c'est pareil. Il y a des gens qui emploient cela à tort et à travers. « Je t'aime, fillah, je t'aime, fillah. » Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. « Je t'aime, fillah », c'est un sens très fort. Il ne faut pas le brader. Hein? La personne pour Allah, non. Et rien ne te séparera de la personne, si ce n'est la mort. Non. Et ces gens-là, qui se sont aimés en Allah sincèrement, sans aucun intérêt et pas divisés à cause de choses mondaines, seront bi'idhnillah azawajal sous l'ombre d'Allah, yawm al-qiyamah, et qu'Allah nous facilite. Non. Donc c'est tout type comme ça d'amitié, de partenariat, d'association, si elle est basée sur du sah, du saint, quelque chose de saint, non, il y aura la baraka, et Allah azawajal assistera ces gens-là dans toutes leurs affaires, et facilitera les chemins menant au bénéfice, là on parle de commerce, et accordera la subsistance à ces gens-là d'une manière inattendue, et il les aidera et les orientera. Naam. Et ça, on a pu réellement le constater, le voir. Naam. En effet, dans le cadre d'un partenariat, les associés s'entraident dans les décisions et les activités. Or, ces activités n'auraient pu voir le jour si chacun des associés s'y était engagé seul. Des fois, on a besoin d'un partenaire complémentaire. Naam. Naam. Même dans le da'wah, je dis. Même dans le da'wah, parfois. Tu as besoin d'un compagnon, de quelqu'un, soit il y a ni quelqu'un qui se met en avant, soit quelqu'un qui se met en retrait, non, mais on a toujours besoin de quelqu'un. Et il y en a, il va te conseiller, ou quelqu'un va t'aider à faire, à mettre en place la mise en forme de ta da'wah. Non, peu importe. Peu importe. Peu importe. C'est-à-dire que, seuls, ils auraient pu faire, admettons, deux prêcheurs, seuls, ils auraient pu faire quelque chose, mais ensemble, c'est pour ça qu'on dit que l'union réellement, elle est positive, et que malheureusement, beaucoup sont divisés, chacun dans leur coin, c'est malheureux, parce qu'en vérité, en étant sur l'union, si on était vraiment dans l'union, chacun pourra apporter ses qualités, son expérience, son recul, son point de vue sur quelque chose, et on pourrait devenir meilleur et plus fort, Ibnillah, vous comprenez? Mais si chacun reste dans son coin, et malheureusement c'est beaucoup comme ça, la da'wa se fait, bien sûr, mais chacun restant dans son coin, on ne peut pas bénéficier des qualités des autres, et ça a moins d'impact. Ça, c'est évident, voilà. Comme dans une entreprise. Les deux protagonistes, ils s'engagent seuls, chacun dans une entreprise, ça n'a pas le même impact que si ils s'associent, la force de frappe n'est pas la même. Et dans le da'wah, c'est pareil. Parfois, il est bon pas de se mélanger avec tout le monde, mais d'avoir un ou deux compagnons et des gens de confiance, alhamdoulilah, qui peuvent faire preuve de sagesse et conseiller et aider, et chacun met ses capacités, ses spécificités au service de da'wah, et c'est là que ça prend de l'ampleur. Non. Donc c'est en mettant en commun leur savoir-faire, comme je vous disais, et leur capital aussi, parce que là on parle des associés dans le commerce, qu'ils pourront alors atteindre leurs objectifs. En outre, une société peut développer des succursales, s'implanter en divers endroits ou diversifier ses activités. Enfin, le partenariat octroie à chacun des associés quiétude et sérénité, ce qui est très difficile à obtenir lorsque l'on gère son commerce seul. Effectivement, lorsqu'on est seul dans une affaire, en l'occurrence là le commerce,
c'est énormément de stress, et puis énormément de pression, énormément de choses à faire. Et c'est vrai que quand on peut déléguer un petit peu à autrui, quand on a des associés, pas un associé ou des associés, et l'association dans ce cas est bénéfique, elle permet de se reposer, de se reposer un peu. Imaginez, hein, l'un des associés peut donc gérer l'affaire pendant que l'autre se repose et en vacances, va qu'à d'autres occupations, on s'occupe de son dinam, ou qu'il se soigne en raison d'une maladie. Non. Tous ces avantages du partenariat, de l'association, ne peuvent se réaliser que si la véracité et la loyauté sont de rigueur. Mais si l'escroquerie fait son apparition, que l'un des associés ou tous les deux cherchent secrètement à tromper l'autre, alors Allah Azzawajal quitte ce partenariat, sa bénédiction disparaît et les difficultés commencent alors. L'expérience et la réalité viennent confirmer ce hadith, ça c'est clair. Hein, deux personnes qui sont sincères l'une envers l'autre, on parle du commerce, hein, mais moi je remets toi de dawa, parce que c'est ma réalité, c'est ce que je vis. Tu vois des frères qui vraiment s'aiment en Allah, veulent céder en Allah, Alhamdulillah, tu vas voir comment ça va fonctionner leur dawa, Inch'Allah, ça peut que fonctionner, bi'innillah. Mais s'il y a déjà de la jalousie secrète, naam, l'un cherche à tromper l'autre, l'un veut être au-dessus de l'autre, ça ne marchera pas, ça n'ira nulle part. Comme on dit, c'est un pétard mouillé. Voilà, ça ne va pas faire beaucoup de bruit, ça ne va rien faire. Naam. Donc il faut, Inch'Allah, soit rester seul, soit s'entourer de gens sincères et loyaux. Naam. Comme dit le shir, l'expérience, la réalité viennent confirmer le hadith, même si on l'a vu, il est daif, mais il a un sens juste en soi. Naam. Wallahu ta'ala, a'lam. Naam. Hadith 44, on change du sujet, je crois qu'on a passé le cap là de tout ce qui est lié au commerce, etc. Voilà. Non. Alhamdulillah. Le hadith 44, quand le serviteur il décède, ses œuvres s'arrêtent. Sauf dans trois cas. Ça, je vous avais expliqué ça récemment dans un audio et dans un post. Et on le refait dans le cours, alhamdulillah. Quand le serviteur décède, toutes ses œuvres s'arrêtent. Ça, tout le monde le comprend. Mais sauf dans trois cas. Sauf trois d'entre elles. Non. Abu Huraira, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand le serviteur, il décède, ses bonnes œuvres s'arrêtent. » Sauf dans trois cas. Une aumône dont les bénéficiaires continuent à tirer profit. Non. Un savoir dont on continue à bénéficier aussi. Ou bien un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Rapporté par Muslim. Non. Donc le hadith est déjà suffisamment clair, mais on va là l'expliquer. L'aumône dont les bénéficiaires continuent à en tirer profit. Ça peut être dans plusieurs choses, plusieurs projets. Tu as pu mettre une aumône dans la construction d'un puits. Et puis même après ta mort, il y a des gens qui puissent de l'eau dans ce puits et s'abreuvent. Et alhamdoulilah, tu es récompensé. Yek. Tu as mis de l'argent dans la construction d'une mosquée. Précise bien une mosquée de la sunna. C'est pas le tout de dire faut construire des mosquées. Il faut construire des mosquées. Si c'est pour construire des mosquées de bid'a, ce n'est pas la peine. Non. On parle d'une mosquée de la sunna. Il y a un an où les gens, alhamdoulilah, ils ont adoré Allah Azzawajal et appris leur religion sur la bonne croyance. Tu avais participé à la construction de la mosquée. C'est de même. Voilà. Ou bien d'une école. Encore une fois, une école sunni salafi. Hein? Ou bien tu as aidé à construire un hôpital. Wallahu a'lam. Ou même, tout simplement, tu as acheté un Coran, tu l'as déposé dans une mosquée, et les gens le lisent, ça fait peut-être 40, 50 ans, le Coran, il est toujours en bon état, alhamdulillah, et les gens le lisent. Donc, une aumône, tu as fait une aumône, tu as dépensé tes biens, hein, et Annie, les bénéficiaires continuent à en tirer profit. Ça, après ta mort, ça continue à te profiter. D'accord? Tu pries plus, tu jeûnes plus, tu fais pas le hajj, naam, tu fais plus d'aumône de toi, mais cette aumône-là, elle est continue. Tu continues d'en tirer les fruits, d'accord? Et en fait, ça va sur la deuxième. Et en fait, ça va sur la deuxième catégorie, le deuxième cas, à cheval sur le premier, parce que parmi les types d'aumône, le meilleur type d'aumône, c'est la transmission de la science. Et c'est le deuxième cas. On fait le pont avec ça. Non. Deuxième cas, un savoir, une science dont on continue à bénéficier. Les ulama, par exemple, ils ont écrit beaucoup de livres. Et beaucoup d'entre eux sont morts et on continue à bénéficier d'eux. Pas plus loin que le livre qu'on fait actuellement, le livre de Cheikh Saadi, rahmallahu ta'ala. Donc il gagne les hasanat à ce moment même, puisqu'on est sur la lecture de son livre. D'accord? Donc les ulama qui ont bien sûr écrit des livres, les sociétés des durus, bah toi de même. Tu avais posté tel rappel, ou tu as fait tel cours, etc. El muhim, une science. Ou même, tu as transmis à des gens de ta famille ou à ton entourage. Hein. C'est pas forcément écrire un livre ou bien enregistrer un cours. Hein. Transmission d'une science, un savoir dont on continue à bénéficier. C'est que tu as enseigné à quelqu'un. Tu as transmis. D'une manière ou d'une autre, mais tu as transmis la science. Tu as appelé Allah Azzawajal. Et les gens, même après ta mort, ils continuent à bénéficier de ça.
soit parce qu'ils mettent toujours en application ce que tu leur as enseigné, soit parce qu'il y a toujours un support, ou là un audio, ou là un livre, ou quelque chose. Hein? C'est sous toutes ses formes. Et une science dont les gens continuent à bénéficier, et elle venait de toi. Mais toi, tu l'as tenu d'autres personnes. Donc, bien évidemment, tu imagines les hasanat, c'est une réaction en chaîne. Et ça remonte jusqu'au prophète, aïssalat wa salam, puisque c'est le premier à transmettre l'ilm. On est d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une chaîne. Toi, tu as pris d'un plus grand que toi, admettons, mais le plus grand que toi, il a pris d'un ilm. Le ilm, il a pris d'un savant encore avant lui. Le savant qui était avant lui, il a pris d'un savant encore avant lui. Ça remonte jusqu'à quoi? Jusqu'au compagnon et jusqu'au prophète, aïssalat wa salam. Transmission orale de la religion. Naam. Voilà. Donc, vous imaginez, hein, ceux qui sont au plus proche du prophète Isa al-Salem, ce qu'il récupère comme hasanat encore aujourd'hui. Oui, quand on les cite ou quand on transmet ce qu'ils ont expliqué. Voilà. Et nous, on est, inch'Allah, qu'Allah fasse qu'on soit un maillon de la chaîne. Voilà. Même si on est vers les derniers, mais un maillon de la chaîne tout de même. Voilà. Donc cette aumône n'est pas à négliger. Elle est dans les aumônes, bien sûr. Les aumônes financières, comme on l'a vu, investir dans un projet durable. Mais il y a l'aumône de la science aussi. Et quel meilleur projet durable que Tolmi al-Naam. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un lien entre le premier cas et le deuxième. Wallahu a'lam. Donc une aumône dont les gens continuent à tirer profit, un savoir dont on continue à bénéficier, et puis un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Donc, tu as éduqué un enfant sur la piété, qui t'aime au sunnah, et puis apparemment, cet enfant-là, il invoque jour et nuit en ta faveur. De même, ça c'est du bien pour toi. Donc, toutes tes œuvres... Ya ibadallah, toutes tes œuvres s'arrêtent après ta mort, sauf ces choses-là. Non. Allah a fait de ce bas monde un lieu dans lequel on œuvre. C'est un lieu de là-bas. Les serviteurs, ils font des provisions de bonnes ou de mauvaises œuvres, en vérité, pour l'au-delà. Et où se dérouleront le jugement et la rétribution. Non. L'au-delà, donc, s'y dérouleront le jugement et la rétribution, et chacun arrivera avec ses provisions. Et les provisions sont de deux catégories, les bonnes provisions et les mauvaises. Non. Quand ils quitteront ce monde, les serviteurs, ceux qui auront mal agi regretteront de ne pas avoir accompli de bonnes œuvres, de manière à goûter au bonheur dans l'au-delà. Mais les regrets leur seront alors inutiles. Aucun serviteur ne pourra augmenter ses bonnes œuvres ensuite. Serait-ce du poids d'une fourmi. C'est pour ça qu'on dit toujours, ne négligez aucun bien et ne négligez aucun mal. Je m'explique. Ne négligez aucun bien dans l'accomplissement. Ne négligez aucun mal dans la retenue. Ne négligez rien. Viendra un jour où tu ne pourras pas te détacher d'un mal. Tu ne pourras pas le repousser. Tu ne pourras pas t'en excuser. Tu ne pourras pas t'en repentir. Rien. Wélou. Il est là. Tu ne peux rien faire, même si tu regrettes. Non. Petit ou grand. Mal. De même pour le bien. Wallahi, un sourire. Un centime d'aumône. Que sais-je? Vous avez compris? L'œuvre la plus minime qui soit. Que dire des plus grandes œuvres? Oh, salat, les bil'ims, les liens de parenté. Que dire? Mais un sourire. Ôter une branche sur la route. Un détail comme ça, ça peut te sauver, Yom Kiyama. Parce que c'est un bien. Et tu ne pourras pas en rajouter, ne serait-ce que du poids d'une fourmi, mon frère, ma soeur. Et le rappel est fait à moi en premier. Donc, faut pas négliger le moindre bien. Dire, oh, ça ne sert à rien. Oh, ça, je vais le dire, mais ça ne sert à rien. Hein? Répondre à un salam ou faire un court rappel, dire une bonne parole, un sourire comme on l'a vu, n'importe quoi. Ne néglige aucun bien. C'est toujours bon à prendre. Et ne néglige aucun mal dans la retenue, c'est-à-dire, tu ne pourras pas après t'en excuser, t'en repentir. Donc, Yanni, c'est maintenant qu'il faut s'écarter du mal ou bien sans repentir. Non. Et aucun d'entre les serviteurs donc ne pourra effacer le moindre péché de son registre. Si ce n'est ce qu'Allah va lui pardonner gracieusement. Mais lui tout seul, il ne peut pas arriver et dire « Je vais me repentir, je vais l'enlever celui-là. Il est là, naam. » Toutes leurs œuvres donc s'arrêteront, sauf dans trois cas mentionnés dans le hadith. C'est-à-dire que la personne est morte, mais elle peut continuer d'obtenir des bonnes actions, hein, alors qu'elle, elle n'œuvre plus, elle n'est plus dans l'œuvre, mais il y a les hasanat qui viennent parce qu'elle a investi dans tel projet, parce qu'elle a transmis de la science et parce que l'enfant invoque en sa faveur. Non. En fait, ces œuvres s'arrêtent, sauf dans les trois cas, et les trois cas sont en fait les conséquences d'œuvres accomplies par le serviteur de son vivant. C'est parce qu'il a éduqué un enfant pieux qu'il récolte des hasanat encore aujourd'hui. C'est parce qu'il a investi dans un projet bénéfique et durable qu'aujourd'hui, il continue d'en tirer
les profits. Puis c'est parce qu'il s'est engagé dans la transmission de la science, à chacun son niveau, à chacun son domaine de compétences, à chacun, non, mais c'est parce que la personne a voulu transmettre, elle a fait des efforts en fait, elle a œuvré, qu'aujourd'hui il y a les conséquences, non. Mais c'est différent de As-salat As-siyam. As-salat As-siyam, c'est sur le moment. T'as prié, t'as jeûné, t'as fait le hajj. Ça y est, s'il y a une récompense, elle est notée, elle est à ce moment-là. Mais ce n'est pas continu. Non. Quant à ses œuvres continues, elles sont donc, voilà, les conséquences d'œuvres accomplies avant. La première œuvre, c'est donc l'aumône dont les bénéficiaires continuent à en tirer profit. C'est le cas du legs d'un bien foncier, des fruits desquels on tire profit, ou des ustensiles légués dont on peut faire usage, ou du legs d'animaux qu'on peut alors utiliser comme moyen de locomotion ou autre. Oui, ce que tu pourrais léguer, hein, quand tu fais un testament et tu lègues tes choses. Ça aussi, ça rentre à l'intérieur d'un arbre. Ou bien des livres, des exemplaires du Coran dont les gens tirent profit en les lisant. Tu peux aussi, voilà, léguer des choses comme ça. Ou bien des mosquées, des écoles, des maisons et autres bâtiments légués pour le bien public, ou bien tu as aidé à construire, à bâtir. Pour tous ces legs, les récompenses en découlant continuent donc à être comptées en faveur du donateur aussi longtemps que quelqu'un en tire profit, c'est ça. Si le Coran un jour que tu as acheté et tu as mis dans une mosquée, il est détruit, khalas, il est détruit, tu n'as plus de hasanat, c'est fini. C'est à l'œuvre, elle est interrompue par rapport à cela, vous comprenez? De même, participer à la construction d'un institut, puis il est détruit aussi. Il est rasé. Voilà. Khalas, c'est fini. Khalas, c'est fini. Non. Pour les enfants, parce que c'est une œuvre continue, on y viendra après, bah, si l'enfant il meurt, il n'invoque plus pour toi non plus, donc c'est fini. À moins que son enfant à lui ait pris le relais. Il invoque pour son père et pour son grand-père. Allahu Akbar. Pour ses parents et pour ses grands-parents. Allahu Akbar. Auquel cas, l'un âme. Hein, vous comprenez? Mais sinon, une fois que le bien que tu as fait en vérité, il est coupé, l'œuvre s'arrête. C'est aussi pareil une transmission de science. Tu as transmis à certaines personnes, mais qui n'ont pas transmis à d'autres. Tant qu'eux, ils œuvrent avec ce que tu as transmis à ces gens-là, alhamdoulilah, tu bénéficies des hasanat. Puis si ces gens-là n'ont pas transmis ce que tu as transmis, tu avais écrit un livre, admettons. Je dis bien admettons. Ce livre-là, à un moment donné, il se retrouve chez une personne. Elle a adoré Allah Azza wa Jalla avec, elle l'a mis en pratique, mais après elle l'a détruit ou il s'est retrouvé perdu, etc. Donc c'est terminé, vous comprenez? Il faut que ce soit en continu, il faut que ça aille de personne en personne, de chaîne en chaîne. Et là, alhamdoulilah, on peut dire que la personne continuera à en bénéficier, d'accord? Donc pour tous ces legs, les récompenses en découlant continuent à être comptées en faveur de l'ordonnateur aussi longtemps que quelqu'un en tire profit. C'est là l'un des plus grands mérites du leg. C'est particulièrement vrai dans le cas des legs à but religieux, comme ce fait dans le but de diffuser le savoir religieux, hein, pour permettre à certaines personnes de se consacrer à l'adoration d'Allah et à autres raisons similaires. C'est ainsi que les savants ont émis comme condition du leg que le but en soi est de se rapprocher d'Allah Azzawajal et de faire preuve de piété. Pour vous donner pour Allah Azzawajal en fait. La seconde œuvre du serviteur mentionnée dans le hadith est un savoir, une science, dont les gens tirent profit après sa mort. C'est le cas du savoir transmis aux élèves, apte à le comprendre, au savoir diffusé parmi les gens du commun aussi, ou des livres que le défunt a écrits dans les diverses catégories du savoir dont l'utilité est avérée. Tous les livres des grands savants qu'on a encore aujourd'hui, excusez-moi, tous les livres des grands savants qu'on a encore aujourd'hui, ainsi même que leurs doulous, leurs audios. Avec la technologie, ça n'existait pas avant, aujourd'hui, voilà, des audios qui resteront et la personne écoutera encore le cours et après, et il y a des audios de savants, ils ont 30, 40 ans. C'est des audios vraiment qui datent d'il y a très longtemps. Des audios enregistrés il y a très longtemps. Là, on a des audios même des débuts années 80, 90, des choses encore qui circulent. La qualité est évidemment moins bonne que ce qu'on peut entendre comme audio aujourd'hui. Mais, Yanni, ça reste des audios qui circulent. Ils sont donc récompensés quand on les écoute, c'est Ulama là. Non, mais qu'Allah le fasse miséricorde. Donc aussi longtemps que ce savoir continue à être enseigné, de différentes manières, soit oralement, soit par le biais des livres, la récompense en découlant s'ajoute au registre de ses bonnes œuvres. Or, combien de savants vertueux décédés, il y a des siècles et des siècles de cela, voient leurs livres continuer à être étudiés, copiés, imprimés, non, hein, et à leurs élèves diffuser le savoir, hein. Combien voient leurs livres continuer à être étudiés et leurs élèves diffuser leur savoir, génération après génération. C'est là, de la part d'Allah, une grâce immense. Tu vois, il y en a des savants, il y a 500 ans, et puis l'élève a fait le travail, et l'élève de l'élève a refait le travail, et aujourd'hui, on a encore
ben, un lien avec ces savants-là. Ils sont même traduits après en français et dans d'autres langues leur kutub. Et on continue à citer ces savants-là et à ceux qui ont transmis donc ces gens-là, qu'Allah les récompense et leur fasse miséricorde. Non. Puis la troisième œuvre, mentionnée dans le hadith, c'est un enfant pieux, de la piété et des invocations desquelles son géniteur continue à bénéficier. Cela englobe aussi bien les enfants du géniteur que les enfants de ses enfants, comme j'avais expliqué, hein, s'ils ont le lien avec le grand-père encore, et ainsi de suite, que ce soit des hommes ou des femmes. Ainsi, l'enfant pieux ne cesse d'invoquer Allah en faveur de ses parents ou grands-parents pour qu'il leur pardonne, leur fasse miséricorde, élève leur degré et multiplie leur récompense. Voilà. Les œuvres mentionnées dans le hadith sont celles dont Allah parle dans le verset suivant. Dans Surat Yasin, verset 12 dans le sens. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que les traces qu'ils ont laissées. Ah. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les bonnes œuvres qu'ils ont eux-mêmes accomplies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ça englobe ces deux types d'œuvres. Quant à la particule, les traces qu'ils ont laissées, c'est-à-dire les conséquences de leurs œuvres accomplies par autrui, ou dont d'autres personnes ont bénéficié. Pareil, tu peux avoir aussi des conséquences négatives. Les gens, ils ont laissé des choses à ceux qui ont laissé des livres d'égarement, par exemple. Ah oui, parce que le contraire est vrai, mes frères et sœurs. Le contraire est vrai. Hein? C'est comme le hadith. Quand Allah Azzawajal veut du bien à une personne, il lui facilite la compréhension de la religion. Et les ulama, ils ont dit quoi? Donc, quand Allah ne facilite pas la compréhension de la religion à quelqu'un, les gens dans la bid'ah, les gens dans l'égarement, Allah ne lui veut pas du bien. Et Allah n'aime pas cette personne-là. Aïna, c'est comme ça pour expliquer les savants. Le contraire est donc vrai. Je vous ai cité le hadith. De même, les traces qui ont été laissées. Les conséquences des œuvres peuvent être positives, comme on l'a vu. La personne a laissé un livre bénéfique, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça. Naam. Mais pour les innovateurs qui ont laissé justement des cassettes, ou bien des livres d'égarement pur et manifeste, le contraire est vrai aussi. Eux, ils continuent de percevoir les péchés. Aïnaam. Parce que les gens continuent de les lire, continuent de propager ce qu'ils ont laissé. Donc attention à ce qu'on laisse. Aïnaam. C'est ce qu'on dit aux prêcheurs de l'égarement, attention. Parce que c'est pas qu'une question de maintenant. Déjà maintenant, c'est grave, parce qu'ils prennent bon nombre de péchés à mentir sur Allah Azzawajal et son messager sallallahu alayhi wa sallam, à duper les musulmans. Mais cette personne-là, elle meurt demain. Et les gens, ils continuent d'écouter les audios d'un tel. Et combien de gens pseudo-savants, etc. sont morts? Je ne citerai par exemple que Saïd Qutb, et il est toujours pris en référence. Allah Musta'an. Donc ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Vous imaginez, vous égarez les gens, et il n'y a pas de taouba en plus, et les gens continuent de quoi? De suivre le mal que tu as laissé. Et il y a des gens comme ça, ils sont suivis bien après encore. Hein? Et chez les soufis, etc., il y en a, ça fait 500 ans qu'ils sont morts. Ils sont toujours pris en référence par les soufis, subhanallah. Hein? Donc eux, ils payent toujours les conséquences de leurs œuvres, mais là, maléfiques, hein, qui sont accomplies aujourd'hui par autrui. Quelqu'un qui aurait appris, je ne sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui aurait appris à quelqu'un d'autre à faire un péché. Et puis celui-là, il a continué à faire le péché. Bah, il continue à avoir des péchés, lui, dans sa tombe. Surtout si l'autre, après, il a transmis à une autre personne comment faire le péché. Vous imaginez? Faut faire bien attention à ce qu'on transmet, bien attention à ce qu'on laisse. Si c'est du bien, c'est du bien. Walhamdulillah. Si c'est du mal, aywa. Allah nous ta'ala. Que Allah nous pardonne. Naam. Donc les conséquences, c'est dans les deux sens. Hein. Également, les bénéfices des œuvres du serviteur, qui continuent donc à être inscrites dans son registre après sa mort, se divisent en trois catégories. Premièrement, il y a ce que d'autres personnes ont mis en pratique par sa cause, parce qu'il les a incités ou parce qu'il les a orientés. Donc tu as expliqué à quelqu'un comment faire telle et telle et telle chose, la personne a agi avec cela. D'accord? Tant que la personne elle est vivante, elle continue d'agir avec cela, même si toi tu es mort, tu continues de bénéficier de cela. Deuxièmement, il y a ce dont d'autres personnes ont profité, quel que soit le type de profit qu'elles aient pu en tirer en l'imitant dans ses œuvres. Sa récompense sera proportionnelle aux bénéfices que les gens en ont tirés. Hein? Donc la deuxième catégorie, ce dont d'autres personnes ont profité. Profiter de la personne, c'est-à-dire, par exemple, quand ils ont regardé de ton... C'est pas toi qui as renseigné directement, mais ils ont regardé de ton comportement. Ou ils ont regardé de ton manhaj. Ils ont écouté quelque chose de toi. Non. Ils ont vu quelque chose de toi. Quel que soit le type de profit, ils ont essayé de t'imiter. Et par exemple, tu croises quelqu'un, Yanni, des hasanat, on va les voir, Yom Al-Qiyama, on n'était même pas préparé, on n'était même pas au courant. Tu passes dans la rue, bon, Eveb, la barbe, le qamis, admettons.
Quelqu'un te voit et dit « Ah, mashallah, il faut que je sois comme lui, ça c'est quelqu'un de pieux. » Et par ta cause, il enfile le qamis et il laisse pousser sa barbe. Tu as des hasanats, tu le sais même pas. Tu n'as jamais parlé à cette personne-là. Wallah, l'alim, tu n'as jamais parlé à cette personne-là. Pareil pour une femme. Sachez que porter le voile légiféré, mes soeurs, c'est une da'wa. Et le bon comportement avec est une da'wa. Mes frères, porter le qamis, la barbe est une da'wa. Et chichia est une da'wa. Et bien se comporter avec cela, et même sans cela, hein, mais avec cela, surtout est une da'wa. Parce que les gens comme ça, ils regardent, ils disent « Ah, je vais prendre celle-là comme ça, cette personne pour modèle, via son comportement, de ce que j'ai vu d'elle, et son apparence, son habit. » Donc, il y a des gens, vous ne leur avez jamais adressé la parole, je dis bien aussi bien pour des frères que pour des sœurs, et pourtant, ces gens-là, ils vous ont vu. Et qui sait ce qu'ils ont pris comme exemple, comme modèle? Ça vous est déjà pas arrivé, vous, de regarder quelqu'un? Non? De regarder quelqu'un? Hein? Et d'en tirer profit. Et ensuite, la récompense donc sera proportionnelle par rapport à ce que les gens ont tiré comme profit. Si c'est Yanni, admettons, le frère, il s'est pas vraiment investi dans la religion, mais il a fait un petit effort. Alhamdulillah, tu bénéficieras au moins des hasanats liés à ce petit effort, parce qu'il t'a pris pour exemple. Mais si la personne, elle s'est mise fortement dans la religion, par ta cause, là, alhamdulillah, c'est encore plus grand. Mais ça, c'est les deux types. Et troisième type, il y a ce que d'autres personnes ont accompli. Il y a ce que d'autres personnes ont accompli comme œuvre, puis qu'elles ont offert aux défunts. Il peut également s'agir d'une aumône qu'elles ont faite en son nom, ou des invocations qu'elles ont adressées à Allah en sa faveur. Hein? C'est pour ça, hein, quand tu te fais aimer des gens, des autres, non, cela peut être bénéfique pour toi. Même si on ne cherche que l'agrément d'Allah Azzawajal, bien sûr. Et c'est Allah qui met l'amour dans le cœur des gens. Voilà, s'il y a des gens qui te détestent, alhamdulillah, qaddar Allah, tu ne peux pas être aimé de tous. Et quand tu vois des gens qui t'aiment, c'est Allah qui met mahabba, l'amour entre les serviteurs. Naam. Ces personnes, donc, ça peut être ses propres enfants, ou ses disciples, ses élèves, ceux qui ont bénéficié de son enseignement, et des conseils et des recommandations. Elles peuvent être aussi les personnes proches, des amis qui l'aiment particulièrement, ou même des gens du commun des musulmans, qui ne le connaissaient pas personnellement, mais qui l'aimaient à travers, par exemple, une da'wa. Ces personnes lui feront donc augmenter ses bonnes actions, en fonction des services qu'il a rendus à leur religion, du bien qu'il a diffusé parmi elles, ou dont il a été la cause, mais aussi en fonction de l'intensité de l'amour qu'Allah a fait naître dans le cœur des gens à son égard, et dont les conséquences nécessaires sont que ces gens invoquent Allah en sa faveur, vous imaginez, et lui demandent de lui pardonner. Imaginez, tu t'es fait aimer des gens, en fait tu t'es fait aimer d'Allah parce que tu as transmis correctement sa religion, tu as fait du bien, naam, tu as rendu des services à la communauté, et du coup Allah il a mis mahabba, l'amour dans le cœur des serviteurs, pour toi. Et ces gens-là, yani, vont faire une œuvre, naam, par exemple, ils vont faire une aumône, en ton nom. Enfin, c'est bismillah, bien sûr, au nom d'Allah, mais en ton nom, pour toi. C'est possible de faire ça. Et je fais cette aumône, naam, mais pour le défunt. Et puis tu invoques. Puis tu invoques. Hein? Peut-être quelqu'un même fera un umrah ou un hajj pour toi. Naam. Naam. Et ça, c'est légitime et c'est permis. Et en plus, en tout cas, ce qu'il y a de plus fréquent, les invocations. L'aumône, finalement, l'aumône de l'invocation. Il y a des gens que tu connaissais peut-être même pas, mais qui t'ont aimé en Allah, et c'est Allah qui leur a mis cet amour pour toi dans le cœur, et donc ils demandent à Allah Azzawajal qu'il te pardonne, qu'il t'élève, etc., etc. Vous imaginez tout le bien qu'il peut y avoir, ça peut même arriver de ton vivant. Toi, tu fais du bien, tu fais du bien, tu fais du bien, et tu ne te préoccupes pas des gens. Voilà. Et au creux de la nuit, il y a quelqu'un qui se lève, qu'est-ce que tu en sais? Il habite très loin de toi, mais qu'est-ce que tu en sais, ça? Il se lève, creux de la nuit, naam, il fait le wudu. Il fait son salat, il invoque pour lui en premier, parce que c'est le sunna d'invoquer pour sa propre personne en premier. Puis vient le moment où il invoque pour toi. Il dit, ya Rabbi, il fait ceci et cela pour lui ou pour elle. Subhanallah. Toi, tu dors et Allah, il est en train soit de te pardonner, soit de t'élever, soit de t'accorder. Vous imaginez? Soit de te rajouter, soit de te purifier. Parce qu'il y a quelqu'un qui le demande et que ça doit aller accepter. Subhanallah. D'où l'intérêt de propager, de faire du bien, de chercher l'agrément dans la Azzawajal. Et ne pas chercher l'amour et l'agrément des créatures à tout prix, mais se faire aimer des gens est une bonne chose. Et le prophète Isa al-Salam était celui qui se faisait le plus aimer des gens. D'accord? Faut pas être renfrogné. Ça, c'est pas dans le din. D'accord? Il y a des gens, ils cherchent à se faire détester, on croirait. Ils sont pas déjà, comment on appelle ça, abordables. Et j'ai cité quelque chose tout à l'heure, une parole de Cheikh Rabia concernant justement les salafis, même plus précisément en vérité les doigts, les prédicateurs, que je retrouve sa parole. Parler d'une certaine dureté chez des gens qui se disent salafi. Mais quelle fitna cette histoire! Quelle fitna de la Haddadia qui gangrène les rangs des salafis! On ne sait plus qui est qui, ou plutôt, alhamdulillah, moi et d'autres, on sait très bien qui est qui.
mais les gens dits du commun parmi les salafiyous ne savent plus vraiment. Mais ils se rendent compte quand même. Ils voient qu'il y a une dureté, ils voient que quelque chose, ça sent pas la salafia, comme on dit. Ça ne sent pas la salafia, ça sent plutôt la dureté des haddadi, el-muhim. Je vous conseille, dit cher Rabi'a, hafidallahu ta'ala et qu'Allah le guérisse, je vous conseille tous de craindre Allah et de préserver la fraternité et de rester abordable. De vous comporter avec douceur et gentillesse, car Allah aime certes la douceur dans toutes les affaires. Non, douceur, gentillesse, miséricorde, fraternité. Rester abordable aussi, il a dit. Abordable, faut pas prendre la grosse tête. Alors il y a des gens, subhanallah, tu veux leur parler parfois. C'est presque qu'il faut prendre rendez-vous, Allah Musta'an. Je l'avais déjà dit ça. Je l'avais déjà dit. Hein? Comment veux-tu que, à un moment, les gens t'aiment? Parce que gagner l'amour des gens, bi'inillah azawajal, ça se fait aussi en étant proche d'eux. Alors on peut pas non plus être tout le temps, il y a forcément une certaine mesure, une certaine limite, une certaine distance. Mais il y en a, ils ont mis une trop grande distance, ya subhanallah. C'est-à-dire qu'on peut pas leur parler, et ils rendent pas service vraiment, na'am, mais ils se sont mis en position. C'est eux qui ont choisi, comme j'avais déjà dit, on les a pas forcés, en position de soutien pour la communauté, de prêcheur, etc. Mais ils sont jamais joignables, on peut pas leur poser une question, on peut pas, s'il y a une histoire de tutorat pour le mariage et personne n'est disponible, je me demande, Yarni, pourquoi ils ont choisi cette fonction-là, alors? Il faut changer de fonction. Un da'i, je l'ai déjà expliqué, il, entre guillemets, il sacrifie sa vie pour Allah Azzawajal, pour cette cause, pour Talibillahim. C'est pas un choix, c'est pas, il s'est lancé là-dedans, il va jusqu'au bout. Sinon, je le dis, c'est pas un étudiant, c'est pas un prêcheur, c'est pas vrai. Et il fait à moitié. Il est mi-commerçant, mi-prêcheur. Il n'y a pas de mi-commerçant, mi-prêcheur. Tu ne peux pas être commerçant et prêcheur. Tu ne peux pas être là-bas et là-bas. Il n'y a pas de mal à travailler. Un étudiant doit travailler. Mais quand je dis commerçant, c'est fortement investi dans son commerce. C'est ça que je veux dire. Je n'ai pas dit qu'il est interdit à quelqu'un qui a du ilm de posséder quelque chose ou bien d'avoir une affaire. Ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'après, il y a des gens qui vont dire il nous a fait une fatwa. Je dis juste que tu ne peux pas t'investir à fond dans autre chose en vérité que Ad-Dawah. Si tu es dans Ad-Dawah, tu l'y es à fond. Et normalement, voilà, on doit, donc, on cherche pas à se faire aimer des gens. Mais en ayant cette douceur, cette proximité, en étant abordable, les gens, ils vont t'aimer. Parce que quand ils ont besoin de toi, tu es là. Là, je m'adresse finalement, là, c'est même pas aux gens du commun parmi les salafis, mais plus aux prêcheurs, en vérité. Quand les gens ont besoin de toi, tu es là. Tu réponds à leurs besoins, tu es disponible. Tu n'as. Et comment veux-tu qu'ils ne t'aiment pas, ces gens-là? Évidemment qu'ils vont t'aimer. Il y a forcément une forme d'affection qui se crée. Parce que tu es proche d'eux. Maintenant, c'était hautain. Même si tu as le savoir, même si tu fais des cours, tu dis le haq, tu dis la vérité, tu traites tel et tel et tel livre. Tu es hautain. Tu méprises les gens. Jamais un moment pour eux. Injoignable. Les gens, forcément, ils vont te considérer comme un renfrogné. Ça, c'est pas moi qui le pense. Ça, c'est empirique, comme on dit. C'est quelque chose de connu dans le cœur humain, en fait. Voilà. Les gens vont penser instinctivement comme ça. Ils aiment les gens abordables. Surtout des gens liés à leur religion. On n'est pas des ministres, je l'ai déjà expliqué, nous les prédicateurs, on n'est pas des ministres. Wallahi, thumma wallahi, on n'est pas des ministres. On n'est pas des hauts placés importants de je ne sais quoi. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Sincèrement, c'est à pleurer. Quand on voit, et croyez pas que je m'acharne, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je parle de ces choses-là, ça commence, alhamdoulilah, à émerger, les gens comprennent de plus en plus tout ce que j'ai pu dénoncer dans ce système, dans cette sphère de la salafia. Quand j'ai parlé de la Haddadia ici, quand j'ai parlé de ci ou de ça, au début on m'a pris pour un fou, maintenant les gens commencent à comprendre. Il n'y a jamais eu de passion, si je puis dire, ou de choses de ma tête, tout ce que je disais, des choses purement injustes ou juste pour casser les gens. Moi, j'ai jamais voulu casser les gens. C'est quand j'ai vu des choses qui n'étaient pas en corrélation avec la Salafia, qui n'avaient rien à voir avec la Salafia, ils contredisaient les savants, etc. Alors j'ai commencé à dénoncer. Certains n'ont pas compris sur le moment et de plus en plus les gens comprennent. Et je vous le dis qu'à demi-mot, il va se passer des choses. Il se passera des choses. Dans plus ou moins longtemps. Il y a des fitaines un peu partout. Il y a des masques qui commencent à tomber. Vous verrez. Ça sert à rien de me questionner, mais qui, mais quoi, vous verrez. Occupez-vous de votre religion, continuez d'adorer la razogel, de prendre les cours au bon endroit. Alhamdulillah. Sur la vraie salafia, on a déjà exposé ce que c'est la vraie salafia. C'est pas la méchanceté, c'est pas la dureté, c'est pas les mises en garde, c'est pas tout ça. Ça, c'est la haddadiyya. Même s'ils se disent salafi du matin au soir. Et j'étais tout seul à le dire il y a quelques temps. Et là, ça commence à émerger. Il commence à y avoir de plus en plus de gens qui en prennent conscience. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et même seul, on dira la vérité. El muhim. Donc, c'est pas pour m'acharner sur un tel ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire, vous allez voir l'anecdote. Certains sont injoignables. Certains, ils sont indisponibles. Certains, comme on dit, jouent les stars, ils jouent les ministres. Écoutez-moi
ce que me rapporte un talib al-ilm proche des ulama, c'est-à-dire un grand étudiant, il est proche d'eux. Quelqu'un qui s'est assis avec Cheikh Mouqbil, avec Cheikh Rabi', avec Cheikh Abdel Razak al-Badr, etc. Un jour, il vient pour trouver Cheikh Abdel Razak al-Badr. On ne parle pas de X ou Y parmi les prêcheurs salafis francophones, qui sont personne. Très techniquement, très concrètement, qui sont personne, absolument personne. C'est pas de la méchanceté, c'est la réalité. On est d'accord. Hein? On parle de Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidallahu ta'ala. Il est pressé, visiblement, pressé, et il a des gens, forcément des gardes du corps, mais il a son escorte, etc. Il est obligé, c'est une personnalité hein, là-bas, il peut pas comme ça, enfin, c'est difficile. Hein. C'est pas que les savants ils ont peur que d'autres qu'Allah, mais vous comprenez. Et il y a des frères qui viennent lui poser des questions, il accepte, et Yanni, le frère en question avec qui je suis en contact, m'explique qu'il arrive un peu gêné devant le chir, pose la question, il fait « Bah chir, je vois que vous êtes pressé, écoute bien, t'es bien mes frères et sœurs, je vois que vous êtes pressé, donc pour ma question peut-être une prochaine fois, sinon, il lui parle comme ça. Chir, regarde, il a dit de quoi ? Comment ça il y a de « on est gêné, on est pressé entre frères » Parle, exprime-toi mon frère. Ça, c'est le comportement des ulama. Mes frères et sœurs, je vous le dis, c'est parce que vous êtes coupés des savants que certains se font duper par la pseudo-salafia de d'autres là. C'est parce que vous êtes coupé des savants. Si vous étiez ancré dans les durus, au moins les durus et les kutub, j'ai bien dit, au moins les durus et les kutub, les livres donc et les cours. Déjà là, vous allez voir une grande différence. Vous comprenez ? Que dire d'être à leur contact physiquement, d'aller leur parler ? Vous allez dire, mais c'est ça la salafia. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est prêché en France ou le comportement des salafis en France. Rien à voir, ya subhanallah. Absolument rien à voir. C'est parce que, malheureusement, vous êtes reliés et greffés et attachés qu'à des prédicateurs. Ils ne sont pas tous mauvais, c'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit c'est tous des haddadis. Hein. Ils ne sont pas tous mauvais. Et ne me demandez pas après des noms de sites, etc. J'ai dit, moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Je vous avertis simplement d'eux. Et ça fait longtemps que je vous avertis déjà de ça. Maintenant, à chacun, après, déjà de ressentir certaines choses. Alors, comme je dis, quand quelqu'un il vient, il casse un salafi et sa da'wa, posez-vous des questions sur sa salafia et son manhaj. Sans donner de nom. Quelqu'un, il est là, il dit, oui, on va le casser, lui, on va faire ci, on va faire ça. Il ne faut pas qu'ils prêchent. Ils sont qui ces gens-là ? Et depuis le début, je le dis, El Mouhim. Donc, c'est comme je disais, voilà, vous êtes coupés des savants. Certains, alhamdoulilah, ils prennent un petit peu des cours et des livres. Donc, ils ont un peu mieux compris. Certains, walou. Tout ce qu'ils prennent des savants, c'est via les prêcheurs salafis francophones. Ils n'ont pas une vraie réalité de la salafia et ils vont tomber des nus lorsqu'ils vont connaître vraiment les savants un jour. Plus j'ai connu les savants, mes frères et sœurs, plus j'ai connu les savants, plus j'ai goûter au bon goût et au bon parfum de la salafia. Plus j'étais proche des savants, plus j'étais proche des ulama, plus j'ai compris la salafia. C'est pas via les gens qui s'en revendiquent qu'on comprend la salafia. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est pas toute personne qui prétend appartenir à une voie qui est. Il y a combien de gens qui se prétendent musulmans ? Ils en sont loin. Il y a combien de gens qui se prétendent salafis ? Ils en sont loin. Ça, c'est juste une anecdote, mes frères et sœurs, sur Cheikh Abdel Razak al-Badr. Et attendez, elle n'est pas finie. Il part à la suite de ça, le frère pose sa question, il récupère des fawaïdes, etc. Le chir, il part, écoutez, hein, c'est à pleurer. Il monte dans son 4x4, il prend la route, et dès qu'il passe devant les frères, il ouvre la fenêtre, il fait un signe de la main comme ça, et il les salue. Subhanallah ! Qui fait ça parmi les doigts ? Qui fait ça ? Ça, on pourrait citer Charabé, Naab, avec soi-disant les gens qui le suivent et qui sont étudiants de Charabé, qui ont découté certains de la da'wa de Charabé, alors qu'il n'y a pas plus doux que cet homme-là. Et Yanni, le fameux frère en question, Abdel Karim, il est dans une assise et Cheikh Rabi' doit donner quoi. Mais elle est grande la pièce. Et il s'assoit sur un genre de fauteuil, quelque chose comme ça. Il s'assoit, il attend. Et tout d'un coup, il y a un homme assez âgé qui s'assoit à côté de lui. Ce n'était autre que Cheikh Rabi'. Inch'Allah. Déjà voilà, il s'assoit à côté de lui, il le salue, il lui dit comment va ta famille. Voilà, c'est comme ça qu'il parle les savants. Comment va ta famille. Il se met au niveau du frère. Il se prend pas pour ce qu'il n'est. Ah, je dirais pas pour ce qu'il n'est pas, parce qu'il est un savant. Donc je peux pas dire il se prend pas pour ce qu'il n'est pas, mais il ne se prend pas pour un surhomme. Non, il est humble. L'humilité des savants et des vrais toulab el-ilm. Vous savez, une chose, une caractéristique pour savoir si quelqu'un vraiment a de la science, sa miséricorde et son humilité. Les ulama, ils ont dit, plus tu gagnes en science, plus tu gagnes en miséricorde, en humilité, et dans le cas contraire, c'est inquiétant. Et dans le cas contraire, c'est inquiétant. Voilà. Ça, le cas de certains, il est inquiétant, vraiment. Mais les savants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc lui, il s'est assis. Toute humilité, toute miséricorde, les nouvelles de la famille, comment ça va. Et à partir de là, il a commencé à donner son cours, son allocution,
sa conférence, juste à côté du frère, comme ça, juste à côté de lui. Il a commencé directement après. Non. Donc, et c'était conseil aux salafis. C'était l'exhortation conseil aux salafis qui est disponible. Aujourd'hui, vous pouvez l'entendre un peu partout. Hein. Vous pouvez l'entendre un peu partout sur YouTube. Tapez Charabir conseil aux salafis. Eh bien, sachez que le frère que je parle, Abdelkarim, il était juste à côté de Charabir quand cette conférence elle a été donnée. Non. Et dans conseil aux salafis, regardez ce qu'il prône, regardez ce qu'il prêche. Prêche quoi ? Que l'amour, l'union entre les salafis. Il n'y a pas de division normalement dans la salafia, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mise en garde, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de dureté. Tout ce qui a été ramené ici, ça a été ramené de la haddadiyya. Voilà. La salafia, vraiment, on la connaîtra que quand on sera connecté au savant. Voilà. Mais comme les gens sont coupés des savants d'une manière ou d'une autre, ils ont pensé que eux-mêmes ils sont devenus durs. Eux-mêmes, leur cœur a été, ont été contaminés. Parce qu'ils ont été éduqués sur une pseudo-salafia. Ce n'est pas cela. Tout ce qu'on vous a répété depuis 15 ou 20 ans en France, ce n'est pas ça. Et il a fallu que ce soit un tout petit comme moi qui le dise. Et qu'aujourd'hui, walhamdulillah, j'ai dit, je vois des gens dans le milieu du Toulabeling, ça parle, il y a des choses qui se passent, je reçois le soutien de certaines personnes. Walhamdulillah, et c'est Allah qui facilite. Et donc, je n'étais pas fou dans ce que je disais depuis le début. Je parle de gens, ça fait 25 ans qu'ils sont dans le Dawa, ils m'ont dit, tout ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'on a vu déjà il y a 20 ans. C'est exactement ce qu'on a vu et ce qu'on a dénoncé il y a 20 ans. Sauf que ce que tu as dit, ça fait un peu plus de bruit, Allah Iberk. Naam. Voilà. Alors mes frères et sœurs, je vous engendrerai toujours, accrochez-vous à la vraie salafia. Et la vraie salafia, c'est les ulama. Voilà. C'est le comportement des ulama. Ils sont tellement humbles. Tellement humbles. Alors qu'en vérité, ils ont un haut rang, un haut statut. Mais aussi vrai, voilà, cher Abdelrazak Al-Bad qui prend du temps pour répondre aux gens, qui salue les gens, il ouvre sa vitre. Cher Rabir, comme ça, qui parle. C'est comme ça que sont les savants. Et quand on regarde des gens qui se disent étudiants, oui, on est parti étudier chez cher Rabir, oui, on a été 10 ans à Médine. Mais c'est l'opposé du comportement des savants. Et ils dupent les gens faibles en sciences ici en France parce qu'ils n'ont que eux comme repère en vérité. Ils savent pas qui est Cheikh Rabir en vrai. Ces gens-là, ils ne connaissent pas Cheikh Rabir. Ils ne connaissent pas Cheikh Raslan. Ils ne connaissent pas Cheikh Mokbil. Hein? Ils ne connaissent pas Cheikh Abdelrazak Al-Bat. Ils ne les connaissent pas, les ulama. Ils ne sont même pas arabophones pour les appeler, leur demander conseil. Comment voulez-vous qu'ils fassent? On leur a dit, la Dawa Salafi en France est tenue par un tel, un tel, un tel, un tel et un tel. C'est eux. Et justement, on en venait, pourquoi on en vient à parler de ça dans le hadith? Bah, par rapport au fait qu'il faut être, Inch'Allah, aimé des musulmans. Enfin, faire en sorte d'eux, sans trahir la vérité, bien sûr. Chercher l'agrément d'Allah, après, Inch'Allah, Allah, il met l'amour des musulmans, et pour ça, il faut être abordable, donc on parlait de ça. Mais eux, ils ont eu que ces gens-là, on leur a dit, Da'wa Salafi en France, c'est lui, lui et lui. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement? En fait, on a mis des pseudo-personnalités, des pseudo-stars, entre guillemets, en avant, et on a dit, c'est eux qu'il faut suivre. Il n'y a que eux qui disent vrai. Il n'y a que eux-mêmes qui peuvent prêcher, hein, ils disent... Il n'y a qu'un tel et un tel qui a le droit de prêcher en France. Subhanallah, ça, c'est récemment, ils ont été interrogés là-bas à Médine. Et là, juste que vous ne savez pas, récemment, ils ont été interrogés sur ça. Ils ont dit, ça n'arrivera jamais en aucun cas. Quiconque a les ilms, il vient, il propage. Il n'y a pas que les gens de Médine ou c'est pas quoi, les étudiants francophones de Médine qui vont aller propager. Ces gens-là, mes frères et sœurs, sont les membres d'une secte, en fait. Voilà. Pour certains, purs haddadiyya, pour d'autres, à mi-chemin entre salafiyya ou la haddadiyya. C'est-à-dire, ils ont les sifat haddadi. Voilà. On ne peut pas les qualifier de haddadi. Très clairement, mais ils sont à mi-chemin. C'est-à-dire que cette fête, c'est les salafis malades qui sont en train dangereusement de dévier. C'est tout. Ça plaît pas ce que je dis, c'est la pure stricte vérité. Il y a des problèmes en France, il y a des problèmes à Médine, il y a des problèmes à Mecca, il y a des problèmes au Yémen, il y a des problèmes à Birmingham même. C'est tout. J'en ai dit trop ou pas assez. Ah, c'est juste, de toute façon, c'est une réalité, on le sait depuis longtemps. Que dans les rangs des salafis, il y a énormément de divisions. J'en ai parlé depuis combien de temps? Quand j'ai commencé à parler de ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et j'étais tout seul. Sauf qu'alhamdulillah, je vois qu'en fait, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Simplement, il fallait attendre un peu. Allah, il m'a éprouvé pour voir si j'allais tenir sur cette vérité-là. Et je remercie sincèrement tous les gens, bien sûr, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah, qui m'ont accordé leur soutien. Des gens que ces gens-là, justement, prennent parfois un petit peu pour des imbéciles. Ils disent, oui, mais les gens ne comprennent pas la fitna, oui, mais les gens ne comprennent pas ces choses-là, oui, mais les gens, ils n'ont pas rentré, il y a trop d'ambiguïté. Je peux vous assurer que des frères et des sœurs, même débutants dans l'ilm, ils y ont vu clair. Hein. Et que 1 plus 1, ça fait 2 chez tout le monde. Hein.
En Angleterre, au Sénégal, ou en Algérie, ou en Arabie, 1 plus 1, ça fait 2 pour tout le monde. Hein. Et quand tu expliques vraiment la réalité de la salafia, que tu dis aux gens que c'est en connaissant les savants qu'on va vraiment connaître la salafia, et pas vraiment en prenant exemple sur certains salafis ou pseudo-salafis, ou même parmi les prêcheurs, crois-moi qu'ils sont, les gens sont convaincus de ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études à Médine pour comprendre ce qui se passe dans cette fitna. Mais les gens, ils prennent de haut comme ça, les gens du commun. Et les gens qui, soit tout juste, ils débutent dans le Tolébil Ilm, soit ils étudient même pas. Mais ils sont sur la salafia, alhamdoulilah, mais ils étudient sans plus. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont dupé les gens, parce qu'ils ont longtemps laissé planer l'idée que personne ne pouvait comprendre. Si vous saviez, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Donc je vous remercie, tous ceux qui ont compris, qui ont soutenu, qui ont défendu cette idée-là. Et c'était pas évident de me soutenir. C'est pas moi que vous souteniez en vérité. C'est vous souteniez la vraie salafia. Hein, il y a 1 an, il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est, alhamdoulilah, c'est un peu plus calme. Même si je sais que ça parle toujours sur un tel ou un tel. C'est quand même un peu plus calme qu'il y a quelques temps. Mais c'était pas évident de soutenir Al-Haq dans des périodes de troubles. Et il y a des gens qui n'ont jamais lâché. Aïnab. Les gens qui m'ont tourné le dos. Quand Allah les guide, ils sont partis avec les autres là. Il y a des gens qui n'ont jamais lâché, qui ont dit ce que tu dis, Qassim, je suis convaincu que c'est la vérité. Pas parce que c'est toi qui le dis, parce que c'est bi-ilm. C'est ilmi ce que tu dis, comme on dit, c'est scientifique. Donc je peux pas dévier. Je vais pas te laisser parce que les autres. Hein, femme, parce que tu es avec la vérité. Quelqu'un, il est avec la vérité, mes frères et sœurs, il doit avoir peur de personne. Tout seul. Si vous voulez une image, allez, il y a une bataille. Allez, c'est le champ de bataille. Hein? Ils sont 1000 avec des épées. Toi, tu es tout seul avec un petit couteau. Vas-y. Tu mouriras martyr, mais vas-y. T'es avec la vérité, vas-y. Meurs martyr. C'est un peu pareil. C'est un peu dans ça que je me suis lancé il y a quelques temps. Je savais où était le haq. Je voyais beaucoup d'aberrations. J'ai dit, on y va. Coûte que coûte. Je sais que mon honneur allait en pâtir. Je savais qu'on allait vouloir me faire beaucoup de mal. Je savais que j'allais être esselé. Mais je savais que j'étais sur la vérité. Preuve en est, la da'wa, la mienne en tout cas, c'est jamais mieux porté qu'en ce moment. Alhamdulillah, Allah il a mis une certaine baraka, elle s'est exportée, les gens ont compris, et même aujourd'hui je vous dis, je reçois de soutien de gens beaucoup plus haut placés que moi. Sans donner des noms et ceci, je vous le dis, alhamdulillah, et ça fait plaisir. C'est des choses qui ont été vues. Voilà. S'il fallait qu'on appelle des savants, c'est parce qu'on ne veut pas les déranger. Il y a des gens qui tomberaient immédiatement, tout de suite, demain. Mais on ne veut pas les déranger. Parce que quand on appelle les savants sur telle et telle et telle affaire, telle fitna, ils disent toujours « Je n'ai jamais dit ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. » Alors on les laisse, ces gens-là, mentir aux francophones, jusqu'à un jour où ils vont tomber s'ils ne se repentent pas. Sachez que les savants ne sont absolument pas d'accord avec ce qu'ils font et qu'ils leur mentent, même s'ils se réfugient derrière eux. Donc ça, c'était pas prévu à la base, mais c'est ce que j'avais un petit peu sur le cœur, je voulais vous transmettre ça aussi aujourd'hui, concernant toute cette affaire où ces gens qui, soi-disant, se revendiquent de manhaj al-salafi, se revendiquent d'être des suiveurs de savants et de se mettre bien derrière eux. Croyez-moi, les savants ne sont pas au courant, ils sont au courant, mais pas avec les noms exacts des personnes, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, de tout ce qu'ils font. Voilà. Et donc, c'était en lien voilà, avec le hadith, par rapport au fait de dire qu'il faut, aussi savoir se faire aimer des musulmans. Et il y en a, ils n'arrivent pas à se faire aimer, tout simplement. C'est pas donné à tout le monde de se faire aimer. Il y a des gens, tout ce qu'ils retiennent de toi, c'est il est méchant. Ah, il est hautain. Ah, il a pas de miséricorde. Bon, ça, on me l'a déjà dit. Et ça, il y a 4 personnes qui me l'ont dit. Il y a 4 personnes sur 10 000. Pour moi, c'est pas un délire. C'est des gens qui ont un problème avec moi sur un instant T où ils ont pas aimé telle et telle chose, ou bien c'est les passions. Mais par contre, si sur 10 000 personnes, il y a 9 500 qui disent que t'es hautain, indisponible et méchant, et froid, et pourquoi tu attaques tes frères, il y a un problème. Hein? Tout le monde ne peut pas se tromper, comme on dit. Tout le monde ne peut pas se tromper. Ça, c'est comme on dit, ce qui va prédominer chez toi. Qu'est-ce qui restera de toi? Qu'est-ce qui va rester de toi quand les gens vont parler de toi? Vous comprenez? Il y a des gens, analysez bien, hein, dans ce monde de la da'wa, voilà, tout ce qu'on retiendra d'eux, c'est celui qui faisait des mises en garde. Ah, c'est celui qui a parlé contre un tel, vous me suivez. Puis il y en a d'autres, qu'est-ce que tu retiens de lui? Ah, c'est celui qui a appelé au tawhid. Ah, c'est celui qui a fait les cours de ça. Eh ouais, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Qu'est-ce que les gens vont avoir d'image en pensant à toi? Qu'est-ce qui va leur venir à l'esprit? Tawhid ou as-sunna ou la fitna? La fatna dans le cœur des gens?
ou t'es quelqu'un qui a amené la lumière et la vérité. C'est tout. Et ça, ça peut pas mentir. Ce qui prédomine chez toi te caractérisera comme on l'a déjà dit. Après, tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Il arrive à des gens, même bons, juste, d'avoir un manque de miséricorde sur tel point. On peut aussi être amené à faire des mises en garde. J'en ai fait. J'en ai fait des mises en garde. Mais est-ce que je suis connu pour la mise en garde? Je ne pense pas, walhamdoulilah. C'est-à-dire, mon fond, ma base, n'a pas été la mise en garde. Ça a été la propagation du tawhid. Pour certains, tout ce qu'on connaît d'eux, c'est les mises en garde. Aïwa. C'est triste. Voilà. Donc une énième fois, il y a des gens, pour eux ce sera de la révision tout ce que j'ai dit, il y a des gens, ils l'apprennent un peu, et en fait on m'a posé certaines questions un peu en privé, donc je voulais un peu clarifier. C'était pas voulu, mais à la fois voulu aussi. Je voulais parler un petit peu de cela, pour des gens qui sont dans le flou total, qui ne savent plus vraiment qui est qui. Je dis, on va pas trop parler, on va pas comme ça donner des noms. Il y a des fitaines un peu partout, il y a des choses qui se passent, comme on dit. Un peu de patience. Restez prudents, comme je dis, restez derrière les ulama. Restez cramponnés au savant. Restez bien cramponnés au savant. Ne vous attachez pas fanatiquement à tel ou tel prêcheur. Et puis c'est tout. Et vous verrez certaines choses. Voilà. C'est tout. Qu'Allah dévoile les menteurs et les gens qui ont dévié de cette voie. Et qu'Allah nous réunisse sur la vérité. Donc voilà plus ou moins ce que je voulais dire. Sur cela, Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam wa ahkam. Donc on disait, voilà, des musulmans qui t'aiment et qui demanderont le bien d'Allah en ta faveur, même après ta mort. Toutes ces considérations entrent dans le cadre du hadith et plusieurs conséquences heureuses peuvent se concentrer dans une seule et même chose. C'est le cas de l'enfant pieux qui est érudit à la fois. Il est pieux puis il est dans la science. Dont le père, il a déployé tous les efforts nécessaires pour lui dispenser un enseignement religieux. C'est aussi le cas des livres religieux qui sont légués ou offerts pour que les gens en tirent des enseignements bénéfiques. Donc tu peux cumuler, à savoir, c'est l'aumône durable parce que les livres sont utilisés, mais en même temps, c'est toi qui as transmis cette science-là. Tu peux cumuler les choses, walhamdoulilah. Enfin, ce hadith incite clairement au mariage. Ben oui, parce que les enfants pieux, tu vas pas les faire seuls. Donc, il incite clairement au mariage, dont l'une des conséquences est l'obtention d'une progéniture pieuse, qu'Allah rende pieux nos enfants d'âme. Entre autres intérêts, tel aussi qu'une épouse pieuse, hein, une épouse qui la nuit lit le Coran par exemple, hein, walhamdulillah, elle regarde pas des choses futiles ou na'am, même elle dort pas pendant ces nuits de Ramadan, elle lit le Coran, elle apprend na'am, walhamdulillah, une épouse pieuse à laquelle l'époux dispenserait un enseignement religieux qui lui profitera et dont elle fera profiter autrui parmi donc ses sœurs en Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam wa ahkam. Voilà sur cela. Non. Inch'Allah, il est court, l'explication est courte et le hadith est court. On va en faire un dernier, Inch'Allah, avant de se laisser. Le hadith 45, page 199. Non. Excusez-moi juste un instant. Je vais noter quelque chose. Hadith 45. Si un musulman prend possession d'une chose avant tout autre musulman, elle lui appartient alors. Ah. Il a pris possession de la chose avant les autres. Alors, c'est, comme on dit, première idée, premier servi, elle lui appartient. Non. Asmar ibn Mudharris, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: si un musulman prend possession d'une chose avant un autre musulman, elle lui appartient alors, rapporté par Abi Daoud, mais Sheikh Al-Albani, une fois de plus, a qualifié sa chaîne de rapporteur de faible. Sont concernées par ce hadith toutes les choses licites qui ne sont la propriété ni l'exclusivité de personne, et dont un musulman a pris possession avant tout le monde. C'est-à-dire, bien sûr, faut que la chose soit pure. C'est pas tu prends possession d'une chose haram. Déjà, un. Et puis, la propriété et l'exclusivité, la propriété et l'exclusivité de personne. C'est pas, je dis, j'ai pris ça avant tout le monde, j'ai pris ta maison avant les autres, non. Si elle est à toi, c'est du vol, d'accord?
c'est que ça appartient à personne. Ce hadith englobe donc le fait de s'emparer avant tout le monde d'une terre abandonnée, par exemple. Hein? Ou d'une source abandonnée, hein? Enfin bon. Une chose abandonnée en faisant d'elle une source de profit. Ainsi, quiconque prend possession d'une terre avant tout le monde et y construit un puits, y fait couler une source d'eau ou élève une construction, cette terre devient alors sa propriété. Tant qu'il n'a pas mis la terre à profit, il ne peut prétendre en être le propriétaire. Tant qu'il n'a pas mis la terre à profit, il ne peut pas dire qu'il est propriétaire. C'est dès lors qu'il exploite cette terre-là qu'il peut dire qu'il en est le propriétaire. Dans le cas où le dirigeant du pays ou son représentant lui accorde un lot de terrain, ou dans la situation où un individu s'accapare d'un terrain abandonné sans le mettre à profit, il n'en devient pas pour autant le propriétaire. Si un gouverneur donne une part de terrain, c'est au gouverneur. Ça reste au gouverneur, il te l'a prêté. Puis si tu as pris une terre abandonnée, qui n'appartient à personne, bon, c'est assez rare aujourd'hui de nos jours parce qu'il y a des délimitations partout et tout appartient à l'État. Donc c'est assez rare. Donc, tu vas dans n'importe quel coin là en France, soit c'est un propriétaire qui habite ici, soit ça appartient à la commune, ou même, mais il y a toujours quelque chose. Je ne connais pas, Wallahu A'lam, hein. Je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais je ne connais pas des coins et un lieu où on peut dire que ça n'appartient à personne. De ce que je sais. Il y a toujours une propriété, quelque chose. Si ce n'est pas une personne lambda là, qui est juste à côté, c'est toujours, on va dire, appartenir à la commune, au district ou quelque chose comme ça, mais va essayer de t'implanter là-bas et de commencer à construire une maison, on va te demander qu'est-ce que tu fais ici, ça appartient à tel et tel. Wallahu a'lam. Naam. Il doit y avoir des coins abandonnés, mais c'est assez rare, c'est ce que je voulais dire. Wallahu a'lam. Alors dans le cas où tu prends on te prête une terre, le gouverneur te prête une terre, ou bien le représentant te prête, ce n'est pas à toi. Et si tu prends un terrain abandonné sans le mettre à profit, juste tu le gardes, tu n'es pas non plus propriétaire pour autant. Mais il reste tout de même prioritaire. Attention à ne pas confondre propriétaire et prioritaire. Il est prioritaire mais pas propriétaire. Il doit donc mettre le terrain à profit rapidement pour que ce dernier devienne sa propriété. Si le terrain n'a pas été mis à profit et qu'une autre personne est intéressée pour le faire, on donnera alors à l'individu prioritaire le choix entre mettre le terrain à profit maintenant ou le laisser à la personne intéressée. Ce hadith englobe également le fait de prendre possession en premier d'un gibier qu'on aurait chassé sur terre ou en mer, de minéraux cachés ou d'une source d'eau qui ne coulerait pas au vu et au su de tout à chacun. Est également concerné par ce hadith le fait de prendre possession en premier de bois ou d'herbe et toute autre chose abandonnée par son propriétaire qui n'en veut plus. C'est en gros, voilà, celui qui trouve quelque chose, Naam, qui prend possession d'une chose abandonnée, c'est lui qui devient Naam, le propriétaire, comme l'on a vu d'un gibier ou d'un élément, quelque chose. On n'omettra pas aussi de mentionner le fait d'occuper le premier une place à la mosquée. Attention pour la mosquée, hein. Attention, se réserver une place constamment, non. Mais être à sa place, oui. Naam. Hein? Donc deux choses à dire sur ce sujet. Se réserver une place à la mosquée, c'est incorrect. Ça fait pas partie de la sunna ni quoi que ce soit. Il y a des gens, ils vont mettre un objet même pour dire c'est mon endroit, personne n'a le droit de s'asseoir ici. Surtout les anciens comme ça, les vieux. Ils aiment bien faire ça. Ça, c'est pas correct. Il n'y a pas d'endroit attitré. Par contre, tu es arrivé parmi les premiers et tu viens d'occuper une place à la mosquée. C'est toi qui es prioritaire, était entre guillemets, hein, propriétaire de cette place-là. C'est pas les gens, après, ils te délogent. Il y a des anciens, ils viennent, ils disent bouge-toi d'ici, c'est ma place. Ils disent, bah, non, là, tu n'as pas à bouger de cette place-là. C'est ma place, je suis arrivé, c'est ma place, elle ne t'appartient pas, il n'y a pas de propriétaire. Donc réserver des places à la mosquée n'est pas correct. Cependant, si tu es arrivé, ça y est, c'est la tienne. Occuper donc une place en premier à la mosquée ou à l'école ou au marché. Tu arrives au marché, tu t'es installé ici, on ne peut pas t'en déloger, c'est toi, hein, tu deviens, pour le moment, propriétaire, entre guillemets, de cette place-là. Ou bien le cas de celui qui se présente en premier pour bénéficier d'une dotation pieuse. Si celle-ci n'est pas gérée par un mandataire qui est chargé de classer et de désigner les bénéficiaires, bien sûr. Une notation pieuse, c'est-à-dire il y a des aumônes qui sont distribuées, voilà, il y a de l'argent qui est donné, ou des vêtements, ou de la nourriture, et tu t'es amené là-bas en premier. Donc c'est tout à fait normal que tu reçois en premier. Hein. Dans tous les cas, il faut se référer au texte du testament ou au contrat de donation pour connaître la démarche à suivre. Ça, c'est si y a un lit. Voilà, ça a été... chargé de classement et de désignation via les bénéficiaires. Quiconque prend possession en premier d'une chose, donc licite, qui n'appartient à personne encore, est alors le plus en droit d'en être le propriétaire, la propriété se limitant à la part dont la personne en question s'est emparée. Donc c'est limité juste à ce qu'elle a délimité.
Et également concerné par le hadith, le fait de répondre en premier à un appel d'offres. Celui qui fait le premier son offre est prioritaire sur l'obtention du chantier en question et le salaire en découlant. Ça, aujourd'hui, bon, c'est évidemment, on vit parmi les couffards, et puis il y a la traîtrise, et il y a les enchères et tout, mais la base des bases, c'est lui qui répond en premier à un appel d'offres, notamment un appel d'offres, c'est ça, c'est, on dit, je dois, par exemple, rénover ma maison, qui pourrait être là? C'est le premier, en théorie, qui viendra faire le chantier, c'est le premier qui a répondu présent pour cela. Voilà, il aura le salaire et il aura l'obtention du chantier. Voilà, aujourd'hui maintenant les gens ils font des comparatifs et puis c'est pas le premier qui a forcément répondu qui va être choisi, ça c'est une autre histoire, mais la base des bases c'est comme ça. Et enfin, ramasser en premier un objet trouvé ou bien prendre en charge un enfant abandonné avant tout le monde donne priorité sur cet objet ou sur cet enfant. C'est une saine logique en fait, c'est la saine nature, hein. Tu as trouvé cet objet là en premier, c'est yani, on l'a vu après les règles de l'objet trouvé, c'est toi qui vas gérer cette affaire, soit il va te revenir, soit tu vas le rendre sous telle et telle condition, on l'a vu, mais c'est toi qui l'as trouvé en premier, hein. Tu recueillis un enfant abandonné, c'est pareil. Je dis wa Allahu ta'ala a'lam wa ahkam subhanaka humma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà inchallah pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions inchallah ou ta'ala? Sur ça ou sur autre chose, peu importe. Pas de questions? Non. Dimanche donc, lundi on reprend. Voilà, on prend Inch'Allah la semaine de cours, normalement. El-Eid, si je ne me trompe pas, c'est soit vendredi 15, soit samedi 16. Wallahu a'lam, c'est quelque chose comme ça. Wallahu a'lam. J'ai un doute avec les dates. El-Eid, soit vendredi 15, soit samedi 16. Donc on repart, je disais, avec une semaine de cours classique, là. Voilà, les cours du... Enfin, classique. Toujours le mois de Ramadan. On reprend demain avec Ainsi était le pieux prédécesseur, Inch'Allah ou ta'ala, lundi. Le soir, normalement, si l'Eid c'est vendredi, il n'y a pas de... J'ai dit le soir, normalement, excusez-moi. L'après-midi, normalement, 16h, excusez-moi lapsus. On reprend notre semaine de cours l'après-midi, normalement. On la continue plutôt, on ne la reprend pas. Si l'Eid c'est vendredi, il n'y a pas cours l'après-midi, évidemment. Si c'est le samedi, il n'y a pas cours samedi, évidemment. En fonction, voilà, de la date du Eid. Et puis, je pense que ce sera... à partir de lundi 18. Voilà, vous pouvez noter, Inch'Allah, si vous avez un agenda, si vous êtes dans tout ce qui est organisation, etc. À partir de lundi 18, on reprendra les cours le soir. Alors là, les cours sont encore l'après-midi, toute la semaine prochaine, étant donné qu'on est encore en période de Ramadan, après avec le jour du Eid. Bon, le jour du Eid fera que, voilà... il n'y aura pas cours, et puis même si le Eid c'est vendredi 15, on restera sur quand même le cours en après-midi, le 16 et le 17. On fait la semaine prochaine comme si que tout c'est Ramadan, donc tout l'après-midi, avec un jour de creux pour l'Eid. Non. Et ensuite, la semaine du 18 au 24, la semaine prochaine, enfin là on est dimanche, donc la semaine prochaine c'est du 11 au 17, mais la semaine d'après encore, alors à ce moment-là on reprendra les cours du soir. Voilà. On reprendra les cours du soir vers 22h, 22h15 comme je l'avais dit. C'est plus l'après-midi. Sauf que, il y a la semaine basique, avec Ainsi était notre prédécesseur, les récits prophétiques authentiques, Boulour Mahram, les noms d'Allah Azzawajal, les annulatifs de l'islam, l'acculturation des musulmans de France, et les hadiths concis comme aujourd'hui. Il y a ça, à partir du 18. Mais, à partir du 18, on rajoute, faut juste que je vois les journées, je pense que ce sera lundi, mardi, jeudi, et dimanche, peut-être. Lundi, mardi, jeudi et dimanche. Je pense que ça va être ça. Voilà. Je garderai mes après-midi du mercredi, du vendredi et du samedi pour éventuellement aussi la famille. Voilà. Parce qu'il y a les élèves l'après-midi, le soir, mais il y a aussi la famille. Donc il faut penser à tout le monde. Cheikh Mourbi disait justement que la da'wa ne vous détourne pas de vos familles pour autant. Voilà. Donc il y a ce conseil-là de ce grand homme-là, justement, aussi. On ne peut pas tout sacrifier non plus. Mais il faut en donner une part. Donc, en gardant le mercredi, même vous, hein, vous avez certainement des choses à faire le mercredi après-midi, le samedi, non, le vendredi, en plus c'est du mois et tout. Donc, c'est mieux de laisser un creux l'après-midi sur ces jours-là. Je vous parle de ça lentement et en détail, c'est que ce soit bien clair entre nous. Donc je pense, je vais rester ferme là-dessus, que le lundi, le mardi...
le jeudi et le dimanche, après-midi, pour ceux qui peuvent en tout cas, après il y a les replays. On rajoutera 4 cours par semaine supplémentaires en plus des cours du soir sur Aoud al-Mufid, autrement appelé, connu en France, le son Tawhid. Hein, de Cheikh Mohamed El-Wousabi El-Yemini. Donc un savant du Yémen, dont Cheikh Moukbel a fait les éloges. C'est un livre référence chez les salafis ici. C'est le livre jaune, là, vous savez, le livre jaune avec la goutte, là, comme ça, qui tombe. Une référence très connue. Tout le monde il l'a, le son Tawhid. El-Aoud al-Mufid, Naam. Donc c'est pas parce qu'on a fait Kitab Tawhid qu'on peut pas faire cela. Au contraire, c'est complémentaire. Il est différent. Il n'est pas fait comme Kitab Tawhid. Il est différent. Il y a énormément de leçons liées au Tawhid dans ce livre-là. Et on fera ça à hauteur de 4 cours par semaine, lundi, mardi, jeudi et dimanche à 16h. Et ça, c'est à partir du 18. J'ai été long, mais au moins je me suis bien expliqué, bien répété. S'il y en a qui ont des agendas, ils notent, c'est clair. Moi, je m'organise en conséquence. Et qu'Allah nous facilite l'étude de ce livre, très, très, très bénéfique, vraiment. Et puis prévenez les autres personnes, Inch'Allah, soit elles viennent au cours, soit les replays, mais c'est vraiment une merveille cet ouvrage. Naam. J'ai terminé maintenant à dire ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Qu'Allah vous préserve, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous raffermisse sur Al-Haq, nous éloigne des gens ambigus, je le disais tout à l'heure, lié à la salafia, parce qu'un soufi, on voit très bien que c'est un soufi, un takfiri, on voit très bien que c'est un takfiri, d'accord, hein, un ahbesh, on voit très bien que c'est un ahbesh, mais d'un salafi à un haddadi, je peux vous dire honnêtement, parfois c'est à s'y méprendre. Voilà, Allah nous montre le haq comme haq, le batil comme batil, et nous rapproche des bonnes personnes, et nous réunit sur la salafia pure et bénie. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka humma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.